Mes choix donnent l'impression que je me perds. Ne vous méprenez pas, c'est moi que je rejoins. Lionel Don. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en a ouvert la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Nous sommes à l'épisode numéro 93. Si vous aimez ce que je vous partage tous les mercredis dans le FC Leadership Podcast, alors partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues et apprenons à grandir ensemble en tant que leader. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Dans cet épisode, j'aimerais vous partager trois mots qui ne devraient pas faire partie du vocabulaire d'un leader. Trois mots. Jamais. C'est impossible. Ils sont incapables. Pour réaliser certaines choses, il faut éviter certains mots, certaines variantes, certaines limites et certaines croyances. Il est important de surveiller les qualificatifs des expressions que nous utilisons en fonction de la géographie, des données démographiques, de l'âge, de l'éducation ou des différences culturelles. Les limites où nous butons peuvent être l'ennemi numéro un qui nous rend hostile au changement et empêche notre réussite. Chaque fois que nous prononçons une version de la phrase interdite comme « ils ne le feront pas », « c'est impossible », « ils ne sont pas capables », « c'est la faute d'eux » ou « si je n'ai pas, jamais je pourrai », etc., alors nous rejetons la faute, nous nous déresponsabilisons. Un grand leader assume toujours ses responsabilités. Un grand leader ne blâme jamais. Vous êtes capable et tout est possible à celui qui croit. Au lieu de jeter le blâme, jetez une vision. Voici des exemples de la façon de faire pour apporter des éléments qui contribuera au changement, à la transformation et au succès. Montrez à votre équipe pourquoi ce qui vous tient à cœur est si important. Dites-leur encore et encore et encore pourquoi vous voulez le réaliser. Célébrez tout progrès en avant. Racontez des histoires sur quelqu'un qui fait les choses correctement. Encouragez, valorisez. Fixez la norme et faites plus que d'autres ce que vous demandez de faire. Au fil du temps, vous pouvez changer le résultat. C'est ce que font les leaders d'exception. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader d'exception. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quelle est l'excuse numéro 1 que vous invoquez à propos de votre équipe? Quelles sont les trois choses spécifiques que vous pouvez faire pour amener ceux que vous influencez à des résultats souhaités. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 93 de la série FC Leadership Podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter des contenus tous les mercredis au travers de ce show. Si vous aimez ce show, encore une fois, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis, vos collègues et apprenons à grandir ensemble en tant que leader.
Ce podcast a été présenté par Fabien Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour vos feedbacks. Merci pour qui vous êtes. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Soyez des leaders passionnés. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show. Le FC Leadership Podcast. Bye bye!